Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce 10e épisode du e-coffee. Déjà 10, ça fait déjà 10 fois qu'on fait une émission tous les jours à 14h. Aujourd'hui, alors je vais me présenter d'ailleurs très rapidement, moi c'est Guillaume Manseron, je suis intégrateur de solutions audiovisuelles, donc j'occupe des salles en visio, des salles en live, et je fais quoi d'autre? Bah c'est déjà bien, hein, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui j'ai une invitée, j'ai une invitée, et ça me fait extrêmement plaisir. On va l'introduire après, elle va se présenter, c'est Héloïse, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, et je suis très très content de l'avoir pour plein de choses. Je la laisse se présenter, si vous avez des questions... Vous les posez dans les cases commentaires. Je pense, encore une fois, on arrose 3 ou 4 comptes Facebook. Donc, merci à tous. Voici, si ça veut bien, parce que c'est toujours pareil la technique, mon invité. Coucou. Salut, Louise. Oh là, bon, on t'entend Salut! plus. Ah, si, on t'entend, mais en décalé. Ok. Un peu en décalé, ouais, je pense. Comment tu Oh, vas aujourd'hui? Et je veux que tu te présentes. Ben, Héloïse, 32 ans, je suis photographe à côté de Nice. J'ai Ouais. une photo à Cagnes-sur-Mer. D'accord. Voilà, confinée chez moi au chaud avec le sourire, la patate, et puis voilà. Et avec D'accord. du soleil. Et avec du soleil. Je tiens à signaler que cette fois, je vais l'introduire tout de suite. Nous avons Céline qui est avec nous aussi. Coucou Céline. Qui s'occupe de toute la partie modération, qui surveille que tout se passe bien pour nous et que moi, je n'ai plus qu'à gérer la régie. Héloïse, moi, j'avais une question. Comment tu vas aujourd'hui après. Alors, je sais plus, on est quoi, 25 jours de confinement, un truc comme ça maintenant? Ouais, ça doit faire ça. Je sais pas, je compte plus, mais je crois que ça fera 4 semaines à compter de lundi soir. Ouais. Ça va bien, globalement, ça va, on garde le cap, le moral. Des fois, des petites baisses de morale, mais on retrouve vite le sourire. Et puis voilà, on essaye de réfléchir à l'après, et puis de mettre en place des solutions maintenant pour demain, histoire d'utiliser le temps qui nous est offert correctement. De mettre à profit ce temps-là. Moi, j'avais une question. Une question. Est-ce que tu as... Donc, tu es photographe. Cagnes-sur-Mer, j'ai bon? Ok. Je redis un peu comme ça plus lentement. Tu as une boutique ou pas, toi? Tu as un point de, tu as un studio physique où tu reçois du people? D'accord. Ouais, C'était une donc physique, ouais. toi, tu as été touché un peu comme Céline particulièrement de plein fouet quand on t'a dit bah, le studio le samedi. C'est ça, on a fermé un samedi, je crois, le 16 mars. Hein, je regarde Céline. Un lundi matin, ouais. Lundi Ouais, matin, c'est ça. On était coupé. fermé lundi. Qu'est-ce que ça fait quand, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris ça? Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que bah, c'était game over quoi? Enfin, pour moi c'est comme ça que je l'ai un peu classé, mais qu'est-ce que ça t'a fait tout de suite? Qu'est-ce que t'as, comment t'as switché dans le cerveau pour dire oula, ça va être compliqué là? Ben, on a pris déjà 2, 3 jours en amoureux pour voilà, s'éloigner un peu de tous les réseaux Ouais. et se tourner, histoire de voilà, pouvoir se ressourcer. Parce que ça a été un peu, oui, effectivement, c'était un peu brutal, quoi. C'est-à-dire, mais on se faisait pas trop d'illusions dès lors où les restaurants ont été fermés le samedi. On se doutait bien que la logique allait Allez nous tomber dessus, être hein. de tous les commerces accueillant du public. Ben, j'ai décalé des séances, bien évidemment. J'ai 3 mariages d'annulés, donc forcément, ça modifie beaucoup de choses. Donc toi, ils sont Après, annulés. Ça c'est un... Toi, ils... le truc, c'est que les mairies, là, dans mon secteur, en tout cas, donnent la directive que les mariés recontactent, la refixer une date après le 27 juin. C'est quand même... Donc, Moi, je veux quand même, parce que je sais qu'on est un peu sur tes réseaux aussi. Il y a un truc qui me, moi là-dedans, qui me, comment dire, qui m'embête, tout simplement, c'est que c'est les mairies en fait qui décident de notre sort, là dans le cas présent. Alors, les mairies, c'est un peu pareil, on est obligé de le faire, c'est la loi, on est obligé de se marier. De là à annuler, je trouve ça un peu catastrophique. Et je comprends pas pourquoi on se retrouve à être obligé d'annuler des mariages alors que il semble que les gens s'aiment toujours. Toi, en plus, t'es une future mariée, on l'a peut-être pas dit. On peut le dire ou pas? Pas cette Ouais, on peut le année. dire. Pas cette année. Mais... Non, 2021, on a la date, mais ça va être aussi une question financière. On se posait la question justement hier soir si on maintenait sur 2021 ou si on basculait sur 2022, parce que du coup, bah, il va y avoir une perte de chiffre d'affaires. Bah, Mon bien sûr. conjoint est indépendant aussi, donc voilà. Bah, bien sûr. Et c'est ça un peu là. Nous, enfin, est-ce que tu as eu des clients autour de toi qui t'ont dit de toute façon... De toute façon, ça ne sera pas sans vous. Est-ce que tu as retrouvé, nous on l'a eu, mais est-ce que tu as retrouvé une fidélité dans tes clients qui nous sont chers, hein, parce qu'on reste quand même très proche d'eux en tant que photographe. Est-ce que tu as des clients qui t'ont appelé, qui t'ont dit,
On sera avec vous, on sera là quand ça repartira. Le mariage, il aura lieu avec vous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors moi j'ai fait, dès la première semaine, après les 2 3 jours où on s'est un peu exclu des réseaux, Ouais. j'ai pris l'initiative d'envoyer un mail à mes clients avec qui j'avais décalé les séances et les autres aussi, c'est en cours, histoire de prendre des nouvelles, de savoir comment ça va. Ouais. J'ai des retours plutôt très chaleureux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séances corporate qui sont pour l'instant en suspens, décalées. Tous m'ont dit de toute façon c'était vous, ce sera personne d'autre. Ça, c'est Les trois génial. mariages. C'est annulé parce que en fait la mairie n'est pas capable, n'est pas en mesure en fait de leur redonner une date parce qu'ils savent pas combien de temps ça va durer. Donc du Ouais. coup ils ont dit ben, nous on a votre dossier sous le coude, mais il faudra que vous veniez nous voir pour éventuellement redéposer un dossier avec les pièces justificatives à jour et rechoisir une date ensemble en fonction des disponibilités. Parce que ben, bien évidemment ceux qui se sont mariés d'avril à juin, Ouais, bah tous les c'est. samedis, juillet, août, ça va être compliqué quoi. Bah c'est qu'on peut Donc pas. Ouais, bien sûr. Non, mais ça je comprends Et ça. je dis, voilà, personne ne me demande de rendre les acomptes pour l'instant. Tout le monde me dit pour l'instant c'est en suspens en attente d'une date et on va essayer de trouver une solution qui convient à tous les Eh prestataires. oui. Et plutôt, voilà, après je considère que quand tu chouchoutes tes clients, ils te le rendent plutôt bien aussi. Et globalement, c'est ce qu'on disait, il faut fonctionner d'humain à humain. Alors en fait, on est tous dans le même bateau, donc. Je suis complètement d'accord avec toi. Petite question qui n'a absolument rien à voir, et ça sera peut-être. Tu es plutôt thé ou t'es plutôt café? Bon, je connais déjà la réponse, mais je te laisse. T'as pris quoi comme? Vas-y, dis-nous ce que t'as pris. Alors, tu sais, Je suis c'est pas la taille qui compte, regarde-moi, c'est café, c'est la même taille. regarde, un sourire. Hein. Attends, voilà. C'est Madame Sourire. En plus, elle est de la même couleur que ta chemise. C'est fait exprès, en fait. Ouais, c'est bon, je suis une grande fan des monsieur, madame. Alors. C'est le monsieur, madame, le monsieur grincheux, madame bonheur. Il y a un message là-dedans? Tu Non, pas. non, Attends, non, non. ça c'est la faute. Ça, c'est la faute à Céline, ça. Il y a un message derrière? Il y a. Attends, ouais. Regarde, regarde, en bleu, c'est Monsieur Malade. C'est Monsieur Malade. Bah ça va, il a presque un demi-masque. On est bon là-dessus. On est bon. Je suis thé fruits rouges. Thé fruits rouges. Ah, le truc qui embaume toute la pièce. D'accord, c'est bien. Je vois très très bien ce que c'est comme thé. C'est ouais, ok, je vois très bien. Moi j'avais une question, Louise. Est-ce que en ce moment tu as des difficultés? Ok, on a parlé un petit peu de nos entreprises. Ça, c'est malheureusement ce qui va nous arriver. Et on va devoir broder avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as d'autres difficultés? Est-ce que tu rencontres des difficultés? Peut-être est-ce que tu as assez d'informations pour les aides? Alors, tu as fait un live hier sur une autre plateforme qu'on ne peut pas trop nommer pour le coup, mais sur les aides. Est-ce que tu sembles avoir assez d'informations? Est-ce que tu sembles être assez accompagné sur tout ce qui se passe pour un chef d'entreprise aujourd'hui? Alors, moi, j'ai eu l'impression d'être assez accompagnée, mais j'ai aussi été super proactive, c'est-à-dire que j'ai pas attendu que ça tombe et je suis allée chercher les informations. C'est-à-dire que je suis plutôt de nature dynamique et motivée, et du coup, je suis allée de moi-même toquer aux portes, chez mon D'accord. banquier, chez mon assureur, à la Chambre des métiers. J'ai aussi appelé la CCI, j'ai appelé le service des impôts. Enfin, j'ai un peu toqué à toutes les portes parce que je considère que quand on rencontre une problématique, le meilleur moyen de la résoudre, c'est d'en discuter avec les gens. Ouais. Et pas attendre en fait que le problème s'aggrave et que ça te tombe encore plus lourd sur les épaules. Je suis Mais d'accord. après, que quand tu n'es pas proactif et que tu n'es pas d'une nature à aller chercher l'information et à te motiver, et pour les personnes qui sont peut-être dans une dynamique un peu moins joviale et en mode smile H24, ça peut être plus compliqué en effet de trouver les infos. En ce moment, c'est quand même difficile de trouver les informations en général. On a eu une déferlante quand même d'infos, hein. Autant. Alors, tu as un comptable ou pas, toi? Alors, je n'ai pas un comptable parce que je suis par choix en micro-entreprise, Ok. mais j'ai une gestion. Tu. Mes charges sont pas suffisantes pour passer sous une autre forme Ok. juridique. C'est un vrai choix, en fait. Voilà. Non, mais Mais je suis. ça c'est autre chose, ça. Ça c'est autre chose, mais. D'accord, mais Par tu. contre, j'ai pris conseil auprès d'un comptable. Ok, c'est ça. C'est peut-être ça un peu aussi qu'il faut partager un peu comme message. Moi, je le vois, nous, on a. Donc, c'est Céline, hein, qui s'occupait de tout ça chez nous, pour la structure CG Média. Ça a pris quasiment une semaine, en temps plein, à tout gérer, les papiers, faire le ménage dans les infos. Ça, c'est important aussi de le signaler. Il y a les CCI qui sont là, il y a les CMA. Il y a peut-être aussi le réseau. Toi, tu es quand même pas mal impliqué, à semble-t-il, aussi dans les réseaux. Tu as des envies de faire. C'est peut-être de discuter un peu avec les autres et peut-être de pas cacher qu'on est en difficulté. Moi, je vois ça aussi. Je sais pas ce que tu en penses et peut-être que j'aurai un peu ton avis. Il faut accepter de se faire aider. Et ça, c'est peut-être pas encore acquis. Tu penses quoi un petit peu de tout ça?
oser parler aussi, je pense. Il faut pas Ouais. avoir peur de dire, bon, ben là, c'est un peu plus la galère. Là, aujourd'hui, ça va un peu moins bien que tous les autres jours parce que c'est plus difficile à porter, parce que j'ai l'impression que je vais pas trouver de solution. Et en Ouais. fait, si tu as besoin de solidarité, si tu as besoin d'aide, il faut pas hésiter à aller toquer aux portes. C'est vrai qu'on a un réseau, que ce soit dans le milieu de la photographie, mais aussi des professionnels qui nous entourent, de gens qui sont là, qui ont des compétences, qui ont un panel de compétences. Et donc, je pense que on parle beaucoup de l'humain en ce moment, mais les gens sont quand même très à même de partager en ce moment et d'essayer d'aider leurs prochains. Enfin, moi, je vois quand même, c'est le côté positif, c'est qu'il y a l'humanité qui est en train de revenir quand même, un peu plus. Je suis là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est encore une fois, c'est très bien. Bien, c'est une comme invité, très bien. On retrouve des choses simples. On retrouve des gens qui se connectent. On retrouve de la solidarité. On retrouve, je le disais hier, je vais pas me répéter encore une fois, mais on a remis des valeurs simples de contact et d'échange dans tout ça. On est submergé par la formation. Moi, t'as pris quoi comme parti, toi? T'as pris quelques jours après les annonces de ce qui s'est passé pour quitter tous ces réseaux. Tu penses quoi, toi, aujourd'hui, de comment tu gères la déferlante d'informations qu'on peut avoir? Est-ce que t'es comme certains qui ont planqué leur téléphone dans une malle blindée, il n'y a plus de notification, c'est leur chéri qui planque le téléphone ou qui planque leur téléphone parce qu'ils ne veulent plus être notifiés. Comment tu gères un petit peu cette déferlante d'informations qu'on peut avoir, nous, en tant qu'humain et en tant que... Ah, moi je le dis, hein, je suis accro addict, mon iPhone il est là, enfin, tout est là en fait. Hein, comment tu gères un peu cette déferlante d'informations et pour pas te faire pourrir parce que c'est pas possible quoi. Comment tu gères un peu ça? Alors moi c'est pareil, j'ai souvent le téléphone dans la main, je suis assez connectée. Mais là pour le coup ça a été un vrai. Alors nous il y a très peu de télé à la maison, la télé elle sert que pour Netflix et pour éventuellement des films en VOD. On en parlera après. On regarde pas du tout les informations, à part on a regardé les deux allocutions et puis après Oui. je pense qu'il y a suffisamment de médias alternatifs et sérieux pour pouvoir pêcher les informations. Après, moi, j'ai pris le parti de laisser le temps au temps et de pas se précipiter sur l'information. On a vu, de manière assez générale que, les informations évoluaient régulièrement, que le décret, il y a eu un premier décret, un deuxième décret, les informations changent. Au début, on parlait pas de confinement. Après, ça a été fin. On est dans une mouvance où ça évolue énormément. Donc, j'ai pris le parti de laisser le temps au temps et de pas se précipiter sur les choses. Mais du coup, c'est vrai que dans la journée, là maintenant, je suis dans une phase où j'essaye de rester focus au maximum sur le boulot à faire et ce qu'on doit mettre en place pour la suite et de pas être trop connecté sur mon téléphone. Donc, quand j'ai besoin d'être vraiment concentré, je n'hésite pas à mettre le téléphone sur mode avion, ce que je faisais pas avant. Ouais. Et les gens trop négatifs, je veux vexer personne, mais il y a des gens qui sont vraiment pas dans une bonne dynamique. J'ai retiré du fil d'actualité. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que ça m'enlève ma bonne énergie Puis t'as pas envie de voir des et gens mon. déprimés non plus, hein. Non mais Comment? t'as pas envie de voir des gens déprimés non plus, hein. C'est ça. Je comprends C'est très bien cette notion de polarité. Ouais, comment? après la porte est ouverte, c'est-à-dire que les gens qui vont pas bien peuvent venir me voir quand même, mais j'ai pas envie de voir que ça toute la journée. Je comprends. Comment tu restes focus? Alors j'aurais deux questions. Déjà, qu'est-ce que tu regardes comme série de Netflix? Ça m'intéresse énormément parce qu'à un moment, faut partager les infos et les vraies, tu vois. Et comment tu restes focus sur une tâche? T'as une méthode, tu utilises peut-être le Pomodoro, tu utilises des méthodes particulières ou c'est vraiment tu droppes le téléphone à 50 mètres de toi et comment tu restes focus sur une tâche pendant un laps de temps court ou un laps de temps long? Commence par Netflix ou par le focus? Non, commence par Netflix. Commence par. Le truc n'a aucun sens. Commence par Netflix, bien évidemment. Pense que j'ai fait comme tout le monde là, à la Casa del Papel, je me la suis bouffée en une journée, tu vois, tu te dis c'est là que le confinement il est utile en Il ne faut fait. rien dire. On n'en a même pas commencé. Donc ne dis rien, t'as interdiction. Il y en a qui ont commencé à spoiler sur mon feed. Mais dans ça, tu dis rien. Donc, ok, Casa de Papel, tu l'as plié, ça c'est fait. Ok, un autre plan ou pas? Il y a une petite série là qu'on m'a recommandée qui se passe en Islande. Alors je saurais pas te dire le nom parce que c'est assez imprononçable. Et nous on est parti en Islande il y a un an là. Il y Ouais. a pile un an où on était en fait. D'accord. On est parti en amoureux en Islande en changeant tous les jours de lieu et on a fait toute la côte sud et remonté vers l'est de l'Islande. Ouais.
sûr. Et du coup, en fait, la série, elle se passe, c'est une série policière qui est top 4 ou 5, je sais plus le nom, mais c'est une série policière qui se passe en Islande. Ok. Et c'est une femme enquêtrice, on va encore dire, oh là Ah là, on va encore. ah, là là, on va en parler après. Tiens, allez, c'était facile ça, la transition. Ah, la transition. Ok, donc je n'ai. Oui, on en parle après. Vas-y, vas-y. Donc, ok, femme enquêtrice en Islande. Voilà, après, une que j'ai adorée, qui est maintenant connue, et en plus il y a pas mal de séries, de saisons, donc c'est bien de la suivre. Homeland, elle est très bien, Ouais. mais je pense qu'elle est très connue, mais pour ceux qui la connaissent pas, ils peuvent y aller à fond la caisse, c'est très sympa. Et il y a une nouvelle saison là qui est sortie. Alors là, discussion de café, hein, purement et simplement. Il y a une nouvelle saison qui est sortie. Il y a la saison. Parce que moi, je m'étais arrêté. Je vais rien dire parce que là, par contre, je vais vraiment spoiler si ça va pas être sympa. Mais je crois qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie. Moi, j'en ai vu il y a quelques mois quand même, c'était la saison 7 normalement, je crois, Et je mais crois que peut-être maintenant, je crois une qu'il y a la limite qui est 8. sortie. Je crois qu'il y a la 8 Ah, maintenant. Hein, tu vois? à Eh, regarder. on a bien fait de venir. Ok, donc ça c'était pour Netflix. Donc Casa de Papel, tu as interdiction d'en parler. Sinon, je vais être obligé de descendre pour vous me homicider. Ok, et maintenant, question. Ouais, alors effectivement, dans les commentaires, il y a Disney+ qui ressort. Effectivement, est-ce que tu as testé Disney+? T'as des enfants ou pas, Et ben. toi? Alors, moi non, mais Fabien a un petit garçon, mais qu'on n'a pas en ce moment, parce que du coup, il est chez Ouais, sa maman. d'accord. Mais il est plutôt addict à Minecraft et ces trucs-là. Donc, si tu veux, il a 8 ans. Et donc, en fait, Disney Plus, c'est plus trop. Attends, t'as les Marvel, t'as tous les Marvel et les Star Wars. Je peux te dire que même moi en tant que... Ah oui, mais c'est vrai! C'est que même moi en tant qu'adulte, tu peux y aller. Tu as mon fils là, donc lui qui a 10 ans, l'a regardé, donc l'a pris avec Céline. T'as tous les Marvel, t'as tous les Star Wars, tu as les films, les dessins animés convertis en films. Enfin, c'est vraiment top. Ça remplace pas Netflix, hein, faut pas déconner non plus, mais ça, ok. Alors moi, pour la petite histoire, je suis plutôt Flash en tant que série en ce moment. Tu vois, Flash qui, moi, je suis très comics, donc je suis plutôt Flash avec la nouvelle saison. Il y a Arrow qui est sorti, et je suis très content. Et il y a évidemment la Casa de Papel qu'on refuse de faire parce que, en fait, il faut que ce soit le week-end, sinon on n'a pas le temps d'organiser les Ecofi et je pense qu'on serait en pyjama toute la journée. Bref, tout ça pour dire. Et maintenant, pour rester focus sur une tâche, comment tu t'organises? Est-ce que tu as une méthode, un petit conseil à nous, un petit tips à nous filer? Alors là, ce que j'applique depuis 15 jours et que je ne faisais absolument pas, donc c'est là que tu te dis que le confinement il est bénéfique, c'est que j'essaye de vraiment mettre le téléphone sur hors ligne quand j'ai vraiment besoin d'être concentrée. Après, si j'ai pas besoin d'une concentration extrême, Ouais. je m'autorise à répondre ou pas suivant qui appelle. D'accord. Ma grand-mère ne verra pas ça, mais hier elle m'a appelé au moment pas spécialement opportun, donc je la rappellerai un peu plus tard ce soir quand j'aurai plus le temps. Alors pour la Et petite histoire, donc mon grand-père vient de quoi? m'appeler. Mon grand-père vient de m'appeler, je lui ai dit laisse tomber. En elle fait, m'a on est appelé horribles, en les jeunes. J'étais en plein live sur l'autre plateforme et en fait ça a failli faire sauter tout le live et tout quand elle était en train d'appeler la grand-mère. Donc si tu veux. Allô, mamie! Non, t'es en live, la mamie, t'es en live! Le présentateur, il était en mode, mais Héloïse, on t'a perdu, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien. Je dis, ouais, putain, mamie, elle a foutu le bordel. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai coupé histoire Oui, d'être effectivement, il y a quelques secondes, enfin avant qu'on commence, elle me dit, je coupe, je passe en mode avion. Il y a toujours ce petit moment un peu chaud, on se dit, ça va jamais revenir, ça va jamais revenir. Ok, donc t'appliques quoi comme technique pour rester hyper focus? C'est vraiment ça, cette notion de mode avion, c'est cette notion de tu fais le tri sur qui peut te déranger ou pas? Ouais. C'est ça, j'ai une liste, après les téléphones le font très bien, hein. Tu as une liste de personnes Oui. que tu peux paramétrer prioritaire, Ouais. d'urgence, s'il y a besoin. Donc il y a maman, il y a mon frère, enfin, voilà, Oui, il y a y la a des famille, personnes. quoi. Il y a la Voilà. famille proche, le cercle proche. Non, mais ça je l'applique. Ça, et moi, j'applique le truc ne pas déranger. Alors, je sais pas quel téléphone tu as, je pense que ça existe sur toutes les plateformes. C'est la notion de ne pas déranger du mode nuit, en fait, hein, que j'ai décidé d'activer clairement. Et j'utilise une application pour ça. Alors, je fais pas de la pub pour personne, qui s'appelle Forest. Je sais pas si tu connais. Tu la lances, tu choisis l'arbre que tu veux planter, et en fonction du temps, bah, ça reverse un peu de fond à l'association, et tu peux plus toucher à ton téléphone. Bon, je te gagne. Génial. Oui, alors faut pas déconner. À un moment, t'as vraiment envie de le prendre, tu sais, quand ta fille dit, ouais, je peux regarder YouTube Kids, et puis qu'il n'y a plus de batterie dans l'iPad, il n'y a plus de batterie nulle part, il n'y a plus que ton téléphone, mais tu plantes un arbre, quoi. C'est pas une. On a un peu de monde qui nous a rejoint. On a Léa qui nous a rejoint, on a Marilyn qui nous a rejoint. Il y a Sébastien André qui fait du part avec moi. Salut tout le monde, n'hésitez pas, on est. Peut-être que. En plus, c'est la 10e. Tu sais que tu es la 10e.
Ça, je trouvais ça bien. Et alors, on va reprendre mes questions. En fait, on fait n'importe quoi aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a un domaine d'activité? T'as vu, je vais te lancer facile, comme ça je vais pouvoir glisser que Céline a pris le contrôle de cette émission. Est-ce qu'il y a un domaine particulier pour lequel tu milites? Tu vois, je peux pas être plus direct. Alors, militer, non, parce qu'après tu vas me dire, ouais, les féministes. Non, non, je suis pas comme ça. Oh. Et je travaille avec ma femme, donc. Depuis belle lurette, j'ai compris qu'on ne gagnerait jamais. Non, mais par contre, l'estime de soi, et en particulier l'estime de soi pour la femme, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ouais. Ben parce que voilà, la société fait que les femmes sont accablées de modèles qui les rendent soit pleines de doutes, soit coupables de pas être assez parfaites. Et du coup, voilà, c'est un sujet qui me parle plus que les autres. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté sur ton site, il y a quand même marqué, donc Galerie Hello, ça c'est ton nom, portrait et bien-être. Et il doit pas y avoir des milliards de photographes qui marquent. Donc en général, c'est studio portrait, portrait photo, portrait et bien-être. C'est intéressant, donc tu l'as même dans la genèse de ton entreprise, en fait, ce truc de bien-être. Ça se C'est en met. cours de bascule, hein. Ça devait être fait début mars, tu vois, là, Ok. début mars, je devais tout lancer, tout, voilà, le nouveau site est prêt, etc. Ouais. Et puis, ça devait être fait même pour le 8 mars. Et puis, en fait, j'ai vu un peu le truc venir et je me suis dit, ça sent un peu le sapin, là, au niveau du confinement. Le Covid-19, il a l'air de faire tranquillement sa place. Si tu veux le lancer le 8 mars au niveau com, c'est peut-être pas génial. Mais effectivement, j'ai été spécialisée pendant 8 ans dans le portrait d'enfance, enfin, pour les enfants et les futures mamans et les nouveau-nés. Ça a été mon cœur de métier. Et puis depuis un an, en off, je me forme sur différentes choses en parallèle D'accord. qui vont me faire voilà, éclore un nouveau concept qui est dans les, voilà, Qui est dans les tuyaux? dans les starting blocks, voilà, The qui est Cliffhanger. lié à la femme et au bien-être. Eh ben, on te suivra avec plaisir. Il y a une date, il y a une période à annoncer ou pas du tout? Allez, un peu de teasing. Parce que là, ça va être au mois à mon avis, là, au fin mai, début juin, on va voir comment ça se passe, mais voilà. Donc fin mai début juin sur tes réseaux, on devrait avoir plus d'infos. Ok, ça marche. Ouais. Je... Oui, je réagis, je lisais juste les commentaires à côté. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Si, j'en avais une qui me tient énormément à cœur. Est-ce que tu as des élans de solidarité ou est-ce que tu as fait partie d'élans de solidarité qui t'ont particulièrement marqué, touché? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et c'est pour ça que je demande vraiment à mes invités de dire où est-ce qu'ils sont, parce que si d'autres peuvent venir amener une pierre à l'édifice, c'est important. Est-ce que voilà, tu as eu des élans de solidarité qui t'ont particulièrement touché? Alors, Ou que tu as dans notre quartier, réalisé. ouais. Alors dans notre quartier, nous on s'est organisé. On a des personnes âgées, donc on a essayé de se relayer. On a aussi des soignants, donc on s'est relayé pour faire les courses pour les soignants et les personnes âgées. Ok. Et après, à titre personnel, parce que je suis entourée de pas mal de soignants et de personnes qui travaillent dans le médical, j'ai cousu une bonne centaine de masques en tissu. Alors certains diront que c'est pas efficace. Moi, je prends le parti du c'est mieux que rien. Et du coup, voilà, j'ai offert aux soignants et aux travailleurs, j'ai passé le cap des 100 là hier. Sans masque, de que tu as fabriqué. Ouais, que j'ai fabriqué en tissu. Alors, Je sais pas. tu vas nous montrer un exemple si tu en as encore. Parce que, et ça, je vais quand même clarifier un truc. Tu dis que c'est pas reconnu comme efficace. Aujourd'hui, on a quand même la fac de médecine qui a balancé un communiqué de presse qui annonce que c'est mieux que rien. C'est ça. Et à un Moi, moment, je pense qu'il faut arrêter aussi cette psychose du faut un masque, bon, FFB2, FFB1 pour les pharmaciens, et j'en ai plein autour de moi pour le coup, et le personnel médical, bien évidemment, ma mère étant infirmière, je suis hyper concerné, mais quand on va faire ses courses, quand on sort, quand Céline va faire les récupérer les courses au drive, c'est du masque comme ça, parce que. Et heureusement qu'il y en a qui en fabriquent, parce que nous, on n'a pas de machine à coudre, tu vois. Pour la petite histoire, moi, j'ai voulu, avec mon club service, en fabriquer. Le problème, ça a été quand même de trouver des machines à coudre. Alors on va te dire tu peux le faire à la main et ainsi de suite. On nous a sollicité pour faire des blouses dans le Val d'Oise et on a des gens qui font des blouses. Et le problème c'est que ça, enfin le problème, il faut une machine à coudre. Bah, notre machine à coudre elle est dans une pièce de stockage. Donc tu as fabriqué des masques. Comment tu les as... Alors là je te pose une question pour me rendre service. Comment tu les as livrés? Quelqu'un est Par venu... la poste.
Alors, par la poste, pour ceux qui sont plus éloignés. Et bah, alors, après, faut être lucide, ça met du temps. Hein. Ça met entre 8 et 10 jours, là, en ce moment, à être acheminé. Ouais, c'est exactement ça, ouais. On ne sait pas quand est-ce que des vrais masques homologués, etc., vont sortir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y en avoir. Donc, en fait, 8-10 jours, ma foi, c'est toujours mieux que C'est fin bien. juin ou d'ici fin juin. Et après, sinon, en respectant les gestes barrières, je donnais mon adresse, je déposais une enveloppe sur la boîte aux lettres, et puis la personne, elle récupère, voilà, sans se faire de coucou, sans se croiser, et De puis loin. voilà, De loin. de loin. Ouais, mais ok. Écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission. Tu le Ouais. crois pas? Ça va. Alors, tu vois, c'est plus court qu'hier. Hein. On n'est pas sur un marathon, on est plutôt sur un sprint. En parlant de ça, tiens, je vais faire une digression parce que je suis désolé, je vais profiter de cette audience. Il faut que les gens restent chez eux. J'insiste là-dessus. Je suis désolé. Là, j'en profite. On a vu des vidéos, il y a des vidéos qui font le tour du monde là en ce moment, de Parisiens qui courent à 19 h. C'était un départ de marathon. Il faut que les gens restent chez eux parce que plus nous, on va être obligés de rester fermés, plus ça va nous porter préjudice. Et ça, j'insiste là-dessus, et je vais peut-être me mettre en écran tout seul pour pas t'engager dans cette parole-là toute seule. Il faut vraiment que les gens restent chez eux parce que plus vous allez rester chez vous, plus nous, on va pouvoir ouvrir tôt, et plus on va pouvoir ouvrir tôt, plus on va pouvoir reproduire de l'activité pour nous et pas forcément aller pointer au chômage. Donc s'il vous plaît, restez chez vous. Je suis désolé, je le dis parce que j'ai encore vu des trucs. Céline est allée faire les courses ce matin au drive, parce que nous on fait que du drive, parce qu'on a un profil à risque ici un peu costaud. Restez chez vous, enfin. Ça sert à rien d'aller chercher ses fruits et légumes avec deux parkings de plein à 9 h 30. Voilà, c'était mon message personnel. Compléter. Ah, tu peux y aller? Je suis hyper énervé, donc là je suis sur le frein à mort. Alors, Excuse-moi, restez Louise chez est vous. embarquée là-dedans. Non, mais je suis complètement d'accord. Nous, effectivement, moi aussi, je suis profil à risque, hein, puisque je suis opérée du cœur, Oui. donc je ne peux pas me permettre de choper quoi que ce soit. Et voilà. Et surtout, petit message, ça ne touche pas que les personnes âgées, que les personnes qui ont des faiblesses. Ça touche aussi des gens qui sont en bonne santé, des gens jeunes. Vous en connaissez peut-être pas autour de vous. Peut-être que vous, ça vous fera rien, mais peut-être que Il vous y en allez a à ramener qui à ça la fera du maison, mal, vous ouais. allez contaminer vos grands-parents. Enfin voilà, on voit de partout. Moi, j'ai de la chance dans mes contacts, ça respecte à 99,9% le confinement, mais on voit encore trop de monde se balader. Moi, au pied de la maison, on habite un quartier résidentiel, il y a des gens qui se baladent et c'est pas des familles, hein. Ils se baladent ensemble, c'est la fête au village, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, enfin, on va pas débattre là-dessus 3 heures, hein, c'est pas le but du tout de ce truc-là, mais il fallait que je le dise parce que j'aimerais bien quand même faire revenir des clients chez moi. Et plus il y en a Ouais. dehors, moins il y en aura chez moi. Alors juste tiens, une question assez intéressante. Est-ce qu'il y en a qui t'ont demandé de passer au-dessus de la loi? Nous, la réponse est oui, comme ça je te le dis tout de suite. Nous, la Oui, réponse oui. est oui. On a reçu des demandes de contact en nous disant, ouais, mais alors attends, on a quand même vraiment envie de photos. Est-ce que tu as eu ça aussi? Alors oui, clairement, j'ai eu ça aussi. Des gens qui comprennent pas, mais on en a tous eu, je pense. Et puis alors moi, pour la petite anecdote qui m'a fait le plus rire, je vends parce qu'on fait beaucoup de tri en ce moment, enfin, depuis un moment à la maison. Et donc j'avais des annonces Le Bon Coin qui étaient mises en ligne depuis un moment, Ouais. que je vais avancer à activer pendant le confinement. Et avant-hier, je me suis fait prendre la tête par une charmante dame. Si elle me regarde, bonjour à vous. Bonjour. parce qu'elle voulait venir chercher la chaise longue en bois. Et je me suis faite mais presque insulter, hurler dessus comme un putois, parce que oui, bon, ça va tuer personne, que je vienne chercher la chaise longue, le confinement, on ne va pas rester non plus tout le temps chez nous, H24. Bah si, c'est le principe du confinement, en fait. Ouais, enfin voilà, en fait si on va débattre de ça, c'est que tout le monde se dit, tout le monde a plein d'élan, tout le monde fait plein de choses, mais en fait ceux qui respectent pas sont ceux qui vont pourrir le truc en fait. Hein. Moi je m'interdis de sortir pour, parce que dans le cas le profil à risque c'est moi. Je m'interdis de sortir de la maison, c'est Céline qui fait toute la démarche etc. Voilà, et elle est revenue tout à l'heure, elle était ahurie. Et restez chez vous, sérieux. Ou alors ne le partagez pas sur Instagram, dites pas stay at home et faites pas des photos de vous sur le parking de Carrefour, ou Leclerc, ou Auchan pour citer voilà, trois marques. Mais voilà. Ok, et tu sais quoi? S'arrêter là, sinon on fait une émission spéciale Covid-19. Allez voir vos commerçants de proximité, Oui. organisez-vous, faites des drives, renouez le contact avec les commerçants de proximité et pensez que les patrons, qu'ils soient petits ou grands, c'est aussi ceux qui sont vecteurs d'emploi.
et que demain, si toutes les entreprises ferment, tout le monde sera au chômage, en fait, y compris les salariés qui, pour l'instant, ont du chômage partiel maintenu. Ouais, pour combien de temps, on sait Mais pas. s'il n'y a plus de patron, à un moment donné, il n'y aura plus d'employés non plus. Donc, en fait, soyez sérieux. C'est un moment un peu difficile à passer, mais prenez du temps pour vous et vos proches, et puis vous resterez en bonne santé et avec un travail et un toit sur la tête. Je suis 100% d'accord. Écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire la conclusion, d'accord? Donc je vais conclure l'émission. Je vais réafficher notre écran tous les deux, je mettrai fin au live et nous on débriefera après. Ok? Allez, je fais Marche. la petite conclusion. Tac, écran. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. C'était un vrai plaisir d'animer encore une fois cette émission. Donc c'était la 10e. On sera lundi. On m'a posé la question si je maintenais avec l'allocution même du président. La réponse est oui. Il y aura bien un épisode lundi. J'ai déjà mes invités pour la semaine prochaine. En partie pour la semaine prochaine. Si vous avez envie d'y participer, bah, c'est très simple. Vous me contactez sur n'importe quel média sociaux. Ou vous pouvez même passer par Céline parce que du coup c'est elle, il y en a qui trouve les invités et vous avez vu qu'elle prend le contrôle de l'émission. Non, si vous faites le calcul, on essaye vraiment de faire la parité sur cette émission. C'est vraiment une demande de Céline. Donc on arrive à la faire. Mais voilà, n'hésitez pas à venir y participer, ça fait mal à personne, je crois que personne n'est mort. Et je vais réafficher mon écran avec celle de mon invité. Hop là. Et est-ce que tu as. Est-ce, comment tu as trouvé cette émission? Tiens, est-ce que tu peux rassurer un petit peu les gens, histoire de leur dire, tiens, il a rien mangé Guillaume et il est pas chiant avant. Alors, il n'est pas chiant avant, il m'a pas pris la tête, il est adorable et en plus, vous n'avez même pas l'impression d'être en live en fait. On oublie le fait d'être en live, on a l'impression d'être en Skype Ah bah tout bête, hein. normal. Ça pourrait être un verre d'alcool, mais l'abus d'alcool est dangereux Je pour veux la la santé, santé. donc. On sent ceux qui mettent des guillemets sur tout ce qu'ils disent. Faire Écoute, attention! je suis d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup Héloïse. Je te dis à très très bientôt. Je vais mettre fin au live maintenant. Nous on débrief encore. Et je vous dis à très bientôt à tout le monde. Ciao ciao et prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao ciao tout le monde. Ciao.